sais pas que c'est ma tenue, ça. Sérieux. On va régler ça plus tard. Ouais, j'ai pas peur, c'est bon. Tu montes dans le camion, monte dans le camion. J'allais les faire de toute façon. Eh ben dégage, je veux plus te voir. Et ferme-la parce que je te jure, je vais te taper dans le groin, moi. D'accord ? J'aimerais bien voir ça. Tu aimerais bien voir ça ? Tu vas le voir bientôt. Couleur et peine. Mon histoire est faite de couleur et peine. Je suis votre patron de formation. Mon prénom, c'est Patron. Vous êtes à partir de maintenant entre mes mains et celle des instructeurs qui sont ici. Leur prénom, c'est Chef et c'est Chef. Il y a pas un surchef ? Quand moi je parle, on se tait et on écoute. Vous allez vite le comprendre. Avec moi, c'est bien clair ? Un homme qui court est un homme qui s'entraîne. Oui, monsieur. Oui, qui ? Oui, patron. Venez ici. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin ? Je suis le patron, on m'appelle Patron. Exact. C'est clair ? Oui, monsieur. Donc oui, c'est patron. Oui, patron, oui, patron, oui, patron. Oui, monsieur. Que ça rentre par une oreille, que ça reste pas coincé dans un labyrinthe qui arrive jusqu'au cerveau et que ça monte direct. Chef, s'il vous plaît. Je fais 90 kilos, je vais dormir sur ça. Je vais me ruiner le dos. Top, tu as pas beaucoup dormir. T'es pas prévu de beaucoup dormir. J'espère que t'as pris une bonne dose de sommeil avant de venir. Ne même pas. J'ai pas dormi, j'ai dormi 2 heures cette nuit. Alors ça va être très dur pour toi. Fais le malin pour l'instant. Je fais pas le malin. Fais le malin pour l'instant. C'est spécial là. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Ouais, Vous voyez, pardon. Ouais. Pardon, non, mais t'as pas tout vu encore. Je peux faire tout ça tout seul. Allez. 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 Allez, mon grand. Allez. Debout, debout. Ok. Je t'arrête de pleurer, J'ai grave kiffé. Grave kiffé. J'ai kiffé ma mère. Après les autres, je les ai enchaînés, je les ai bouffés. L'œil du tigre, l'œil du tigre. On va y aller, allez, on va y aller, on coince ce bras. Voilà. Allez, reste bien, Thomas. Non, celle-là, c'est celle-là. La guitare. Voilà. Allez. Et tu tires. Allez, ouais. Tire sur tes bras, voilà. Et souffle à la réception. Souffle à la réception. Souffle. Yes. Là, allez, suivant. Dépêche-toi. Allez, motard. Toi, t'as envie de voir tout le monde pomper. Regarde-moi quand je te parle. T'as que de la gueule. Et nous, de la gueule, on va te la faire fermer. Rigolo. La mère, ça ouf. Ça te fait rire ? Tout le monde en position. Putain. Effacer le sourire. Sinon, je vais le faire effacer rapidement. C'est pas moi qui ai parlé. Hey ! Je m'adresse pas à vous. Mais moi non plus. Ok ? Alors vous regardez devant vous, et quand on vous donnera l'autorisation de parler, vous parlerez. Il dit quelque chose qui est vrai. Bébé, c'est bon, bébé, c'est bon. Bébé, ouais. La recrue a répondu au patron, la sanction est immédiate. Ils vont devoir faire des tours, en courant, en portant la poutre et les caisses. Prenez le matériel, vous tournez, c'est parti. Putain. Oh, là-bas. Oh, dégagez. Là-bas, Giovanni, touche à rien, on touche à rien. Mais en fous, toi, ouais, tous les deux après. Là-bas, dépêche-toi, regarde. T'es vraiment un gueux dedans, toi. Et moi, je les comprends un peu, tous les deux, je donne raison à aucun des deux. Toute la journée, on a bavé, on est fatigué. Ça me vénère. Nonchalant comme ça, ça me rend ouf. T'oublies ce que tu veux, pas un sac de couchage. Première chose que tu mets dans ton sac. Bah oui. Mon corps qui l'oublie, ça va, tu vois, mais le comportement qu'il a après, ça me... Il a pas parlé après, c'est pas juste ce côté. Tu parles pas, tu te tais quand c'est comme ça. Génial, on a rigolé, on se poussait les uns les autres, Baba qui nous prenait les gens qui nous envoyaient par devant. J'explose la lampe sur le casier qui tombe, et domino avec les casiers, tout par terre. Bon, c'était, voilà, je sais pas, pétage de câble. C'est quoi là?
J'ai pas de personne à part de jeu, c'est bon, arrête, parle pas, reste, garde ça pour toi. Le comportement de la recrue Djanga Bébé va une nouvelle fois pénaliser les autres recrues. Cette fois-ci, les instructeurs décident d'annuler tout bonnement l'exercice de camouflage. Moi, j'ai un traitement pour la peau, c'est... Pour ? J'ai des trucs que j'ai ramenés pour la peau, tout ça, et ouais, je le prête. C'est quoi ? L'eau précieuse et une brosse pour la peau. Qu'est-ce que ça, la peau ? C'est quoi ? C'est une maladie ? Mais non, mais c'est pour que la peau... C'est pour que la peau, elle soit bien. Debout. Toi, tu restes debout. Tu les regardes et tu continues à te marrer. Vous remercierez votre camarade. Mets-toi en position. Je vais le démonter. Tu es heureux, là ? C'est parti. Un. Je t'entends pas compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu sais compter jusqu'à 10 ? Je compte jusqu'à 10, là. Tu continues à compter. Tous rentrent à la caserne dans une ambiance pesante. Ça aussi, il est fou. Je sais pas ce qu'il a, cet enfant. C'est vrai que c'est une personne qui a du mal avec l'autorité à rentrer dans les rangs. On l'avait dit, hein, à l'intendant. Je lui ai dit, attention, c'est une grave erreur, c'est ce que tu fais. Le chef était grave énervé, hein, contre lui. Hein. Du coup, ça fait beaucoup, mais je sais pas si je vais rester le pistard des bleus. Laisse-moi aller à gauche, parce que t'es là. Il a flippé. Il faut bien la dégrader, lui, à gauche, là. Doucement. Pas trop. Voilà. Quel malheur. Des si beaux cheveux qui représentaient si bien sur des photos et des trucs comme ça. Dehors. Non, mais ça va, t'inquiète. Dehors. Qui c'est qui a fait le couloir? C'est les oreilles décollées, même, comme ça s'appelle. Il y en a un qui a les oreilles décollées? Ouais. Et vous avez vraiment le culte de la personne. Vous trouvez beau, c'est ça? Ouais, comme vous, patron, je pense. Quoi. Attention pour les couleurs! Et vous? Aïe, aïe, le fait de rigoler comme ça, c'est vrai que ça nous permet d'évacuer la pression. Surtout qu'on a des grosses journées. Et ça nous fait, je pense, le plus grand bien. Thomas nous a aidés pour les toilettes. Thomas. Thomas. Hey, je vais vous dire une chose. Il faut apprendre l'humilité. Je connais pas son nom. J'en ai rien à faire. Vous n'êtes pas à même de faire ça pour désigner quelqu'un. Que ça soit sur une distinction, une différence ou autre chose, je suis pas d'accord avec ça. On est clair? Regardez-moi quand je vous parle. Oui, pardon. Là, c'est pas au chef que vous aurez affaire, c'est à moi personnellement. Merci. Je suis allé au bar, je suis resté une demi-heure à faire que siroter mon verre et à la regarder. Elle est magnifique. Si vous me regardez, vous êtes magnifique. Et vous êtes d'où? Normandie, bientôt de Paris. C'est où ça? La Normandie. Vous avez pas eu de cours d'histoire géo encore? J'habite en bas, j'habite à Marseille. Les gars, j'en ai un pas mal. La nuit tombe sur le fort de Charlemont. Dès demain, de nouveaux défis attendent les recrues, et plus particulièrement les pistards de chaque section. Et on s'est dit, mais au final, on va passer juste la serpillière et ce sera tout nettoyé. Du coup, on s'est amusé en faisant le ménage. Je n'ai plus à quitter. Donc là, ça fait ni une ni deux, tous les mecs, je savais qu'ils avaient tous dragué la serveuse. Ça n'a pas raté. Tout le monde au bar, ils sont... Arc de cercle, ouais, bonjour machin, là ils nous ont tous dragué. Vous habitez dans le centre-ville ou plutôt... Bien sûr que ça fait bien d'avoir une présence féminine parce que toute la journée nous avec les mecs c'est que du langage masculin on va dire. Je sais pas si vous me suivez un peu, on parle que des... voilà. Grâce à vous j'ai appris à marcher droit, désormais je fais mes propres choix. Allez, allez-y. Si, je veux l'entendre. Dès mon arrivée je me suis dit... On va bien rigoler. Je suis pas pressé, moi. J'ai tout de suite su que ça n'avait pas fonctionné. Mais je lui ai dit, tiens, pourquoi pas essayer. C'est formidable.